Hey, salut tout le monde, c'est Dark Alors Gatoran, j'espère que vous allez bien, on part sur le jeu, mais on peut certainement commencer notre 8ème épisode sur la tente de fortune. Attrapez-le. Ok. Je vais mourir, la gueule. Vas-y, viens. Et il y en a avec deux. Il me semble qu'il y en a un troisième. Oh non. Voilà. Butez-le. En plein dedans. Oh, j'ai une tête. Ah. Feu. Attention. Je te tiens, enfoiré. Mais you. Ok. Oh non. Cette rivière devrait nous mener au monastère. Ok. Et puis voilà. Et voilà. Mon joystick il bug. C'est. Et puis je peux pas jouer. C'est insupportable en fait, je peux pas. C'est pas que je veux pas jouer, c'est que je peux pas. Oh. J'espère qu'il n'y aura plus de pièges. Oh non. Oh, vas-y, passe. Non, s'il te plaît, bug pas. J'ai besoin de toi. Attention. Non. Ici on ne peut plus en avoir. Oh non. En fait la sensibilité ah, elle est. Je vais mourir. Désolé. Mon sang, Elena, tire sur Paris. Bonjour, c'est toi Yvette Lagasse. Oh, je me fais porter par le courant. Oh, c'est trop dur. Je sais même pas en fait si c'était par là que je pouvais passer. Imaginez, j'ai fait tout ça pour.
pas, mais bon. Non, mais pourquoi? Croyez ce qui se passe à tout le monde. Tu m'auras pas. Toi non plus. Ah merde. Te faille pas de nouveau, te faille pas de nouveau. Vas-y, vas-y, vas-y. Je crois que le baril. Le but là c'est de te casser. Allez, 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 allez. Allez, 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 meurs pas, meurs pas. Non, 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 t'as pas le droit de me faire ça. Vas-y, attends, reprends ta vie, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille. Ah, et puis mon joystick, il commence à me saouler. Un truc de ouf. Allez, c'est bon, c'est fini, là. C'est fini. C'est encore fini? Ah, si. Merci. Tu vas bien? Putain. Ok. Allons voir dans... Ah. Récompense. Bonus. Récompense. Galerie d'art. Ok. Monastère, ce qui se passe. Bon, et bien cette fois-ci, je ne me suis pas trop fait comparer à l'épisode 6. Ils sont là-bas en fait, Elena, je t'explique. J'espère qu'elle a pas de tuer. Elle fait user une balle. Apparemment. Non, je vais garder ça. Apparemment, à première vue, hein, bien évidemment, il n'y a pas de piège. De toute façon, je vais. Ouais, je vais changer. Regarde bien le sol. Là, il m'a pas l'air d'avoir de piège. Ralenti, tu veux? Un des hommes dédiés pourrait nous attendre. Allez, ces clowns ont disparu depuis un bout de temps maintenant. Oh mon Dieu! Dégoûtant! Oh, si seulement j'avais ma caméra. Ça veut dire quoi? Que les Espagnols ont posé des pièges sur l'île pour protéger leur or? C'est pas l'œuvre des Espagnols. Regarde les pics de plus près. Bon sang, mais je rêve! Ça vient de notre avion. Attends, ça n'a aucun sens ce truc. Pourquoi est-ce que quelqu'un poserait des pièges alors que ses propres hommes sont sur l'île? Justement. Quelque chose est venu depuis la pause. Quelque chose ou quelqu'un? Attends, tu penses Chut. Que... T'entends ça? J'entends quoi? Rien. Absolument rien. On nous observe. Observe? Bon, tu sais quoi? C'est sûrement rien. Faut juste partir avant de tomber sur ce qui a réduit ce type en charpie. Ok. Ok. Oh là là, mon joystick est casse-couille. Donc, il y a encore des pièges. Malheureusement. Reste planqué! Ils ont des viseurs à infrarouge! Oh génial! Alors, hein? C'est fini. Ah ouais, je suis vraiment comme une taupe. Elle sort. Et voilà.
Attention. Les laissez pas passer. Roman et Navarro doivent pas être bien loin. Leurs chiens de garde sont à l'entrée. Regarde au sol. Ok, faut pas de câble. Ok. Apparemment, il n'y a pas de piège pour l'instant. Je t'écoute. Je veux que la bibliothèque soit sécurisée. Les laissez pas approcher Sullivan. Bien sûr. Ils ont laissé le vieux dans la partie est du complexe. Je me demande bien ce qu'il fout avec eux. Ce salopard a aucune parole. Nate, j'ai un mauvais pressentiment. Je sais, moi aussi. On trouve Sullivan et on se tire d'ici. Maintenant! Il est là-bas. Yeah.
Jouer. Là, je vais tenir ça pendant que tu tiens la porte ouverte. Tu peux lâcher. Doucement. Oh, j'ai dit doucement. Yeah.
Il est mort. Attendez-vous. C'est sûrement la bibliothèque. Par là. Bon, inutile de passer par la grande porte. Cherchons un autre moyen d'entrer. Ouvrons les yeux. Travailler dans un petit bar aux Philippines. Oh, mec. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais je te jure, cette fille, elle pouvait aussi bien te planter un poignard dans le dos. C'était un petit bout de femme. Elle était grande comme rien du tout. On l'appelait la toupie, ouais, à cause de... Tu vas la fermer, ça fait 10 fois que tu nous répètes la même chose. Ouais, c'est vrai. T'as raison, ma mémoire est plus qu'elle était. Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord? T'as peut-être pas remarqué, mais tous ces bouquins, ils sont à moitié pourris. Et écrits en espagnol. Ouais, bah mind-toi, hein. Chef, il a pas que ça à faire. Hé, hey, là-haut! Attention! C'est pas possible! Ok. Pas encore fini. Descendez-le! Ok. Carré, triangle. Là-haut, ma couille. Plutôt en forme pour un mort. Alors t'as quand même ramené la fille, hein? La fille? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois reconnaître, Sully, que tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rencardes ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivant. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully... On sera en train de rentrer à la maison avec le trésor si, pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon pouls avant de t'enfuir et de me laisser pour mort. Bah, ça a plus d'importance maintenant. Très bien. Alors comment ça se fait que vous soyez sains et saufs, hein? Je vous jure que vous allez pas le croire. Hein? Pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi.
Ouais. Je croyais que ce genre de truc arrivait que dans les films. Ouais, bah ça me fait encore un de ces mal, je vous raconte. Je me doute. Bref, une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'il trouverait jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de les mener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous veniez. Alors où est-ce qu'ils sont, là? Eh ben, ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée, de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète? Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole. Et on trouve la salle, ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière, hein? N'y pense même pas à sceller. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Cette salle recèle bien des secrets, j'en suis sûr. Et ben voilà les amis, si de vous en plus, abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas les gros pouces bleus les amis qui pointent vers le ciel, ça fait toujours plaisir et ça me fait plaisir à moi-même. Qu'est-ce que j'allais dire déjà? Donc, je sais plus ce que j'allais dire. Désolé, putain. Pardon pour le gros mot. Étrange. Attends. On peut pas tirer. Bon, Pierre, vous savez quoi, je vais redire ma phrase, mais sans le... Oh, pardon. Et ben, voilà, c'est de vous aurez pas abonné, commenter, et n'oubliez pas les gros pouces bleus qui pointent dans le ciel. Ça fait toujours plaisir, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et désolé pour avoir complètement galéré mon introduction de fin. Bon, allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.